Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo qui sera très très courte. En fait voilà, c'est pour vous annoncer tout doucement mon retour. Vous avez déjà vu que j'ai refait le manoir aux mille orbes qui m'a pris quelques temps pour faire le montage. Je ne vous le cache pas, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Maintenant, j'ai fini mon traitement. Ça va quoi. Donc en gros, voilà. J'aurais bien voulu aussi remercier tous mes abonnés qui m'ont suivi et que j'espère me suivront encore longtemps. Je vous en remercie de tout cœur, car sans vous, je ne pense pas que j'aurais continué. J'ai eu beaucoup de messages qui m'ont encouragé. Je vous en remercie du fond du cœur. Concernant les lives, dans le temps, je faisais un live par semaine. Donc, je faisais un live tous les mercredis à 20h. Je vais recommencer à en faire, mais plus un par semaine. J'en ferai deux par mois. Toujours les mercredis, toujours à 20h. Je mettrai les liens une heure avant la diffusion du live. Donc pour ceux qui sont habitués qui me suivent depuis le début, ça veut dire que vous aurez le lien sur ma page Facebook à 19h. Faites un petit tour chaque semaine sur ma page Facebook, et si vous voyez le message live Fifi live 20h, c'est que je serai parmi vous à 20h. Concernant les lives également, il y aura quelques changements. Je ne pensais pas qu'il y aurait des petits rigolos qui mettraient des commentaires assez choquants et assez grossiers. Alors, avec certaines personnes de ma communauté que j'apprécie énormément, je ne citerai pas leur nom, mais en regardant cette vidéo, ils se reconnaîtront. Il y en aura trois qui vont gérer le live. C'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas non plus leur imposer un live par semaine. Donc voilà, c'est pour cette raison là que je ferai deux lives par mois. C'est déjà pas mal, ainsi que les enquêtes qui vont arriver avec notre ami Jonathan, que j'apprécie énormément aussi. Donc nous avons quelques projets ensemble. Donc voilà, donc je reviens sur les lives. Donc il y aura trois personnes qui vont regarder les commentaires des gens qui seront sur le live. Et la première personne qui sera grossier, qui sera vulgaire envers moi ou envers tous mes abonnés sera notée sur un bout de papier. Et si
cette personne se trouve dans mes contacts sera enlevée directement. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Ah oui, je suis en train de m'entraîner avec mon nouveau joujou. Donc j'ai acquis un drone. C'est un Phantom Advance 3 de chez DJI. Je vous mettrai la photo. Je vous ajouterai la photo. J'ai fait mon premier vol le week-end dernier en compagnie de mes enfants. Je ne m'en sors pas trop mal. Mais j'ai encore à apprendre. Donc je m'en servirai lors de mes enquêtes paranormales ou urbex. Donc sinon rien ne change. Voilà, à part mes problèmes de santé. Pas très grave, mais bon, c'est quand même enfin, il fallait que je fasse quelque chose, sinon ça aurait pu le devenir. Et alors des petits soucis, des tracas, mais enfin tout ça c'est du passé. Maintenant parlons du futur. Voilà, en gros, je vais quand même pas monter parce que je suis jamais venu par ici et ça descend. Fini, je vais me retrouver dans le fond. Voilà, je vous remercie encore pour tout ce que pour tous les commentaires, pour tous les pouces bleus que de me suivre depuis. Maintenant, un peu plus d'un an. J'espère que vous continuerez à me suivre. Et alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Tout commentaire négatif sur cette vidéo sera enlevé. Vous me direz, on a chacun le droit de dire ce qu'on pense. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Mais avec des mots corrects. Pas de grossièreté. Pas de vulgarité. Envers ma personne ou envers les gens de ma communauté. Donc, voilà. Je suis désolé d'être un peu ferme, mais je préfère avoir 100 abonnés avec moi que 150, dont 50 abonnés qui sont contre moi. Donc voilà en gros ce que je tenais à vous dire. Et question enquête, enfin du moins enquête qui va arriver. Hier nous sommes allés visiter en urbex un château qui n'est pas très loin de chez moi, un très beau château. C'est même dommage, malheureux, qu'il va être détruit bientôt. Donc quand il fera un petit peu meilleur, si
le château est toujours debout. Je pense que on ira y faire une enquête de nuit. Là-dessus, les amis, encore un tout grand merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et sur mon Facebook. Je vous remercie les amis. Ciao, ciao.